Dans l'objectif de transformer en action concrète l'invite du président de la République sur la solidarité sociale et intensifier les initiatives de lutte contre le Covid-19, l'association à but non lucratif Femmes Sociales a procédé à une opération de désinfection du poste de police de la Tiémé, communément appelée Kibéliba. Les services d'hygiène de cette association ont passé en pleine fin tous les bureaux pour barrer la route à cet ennemi invisible. Nous avons porté notre attention sur le PSP, tout simplement parce que dans cette guerre contre le Covid-19, en dehors des équipes médicales, les forces de l'ordre sont également en première ligne. Et elles sont donc notre rempart. C'est dans cette optique-là que nous avons porté notre attention sur les forces de l'ordre, tout simplement parce que si elles ne sont pas en bonne santé ou si elles ne travaillent pas dans un milieu sain, elles ne pourront pas tout simplement pouvoir faire respecter les mesures édictées par le gouvernement. Après ce PSP, l'association Femmes Sociales s'en est allée au chevet du centre de santé intégré Marien Gouabi dans le 6e arrondissement de Brazzaville. Ici, il s'est agi d'un important don de kits d'hygiène, composé des seaux, couches à jeter, des masques pour la protection faciale du personnel soignant. La liste n'est pas exhaustive. Les forces de l'ordre et le personnel médical sont en première ligne. Donc c'est vrai que le centre Marien Gouabi n'a pas été retenu comme centre de Covid, mais cela n'exclut pas qu'il soit exposé, car les malades, ils ne choisissent pas. Ils voient juste la proximité et ils viennent se faire soigner. C'est donc dans cette optique que nous avons jugé bon les accompagner au travers de ce don, un don de plus de 500 masques, des seaux et consorts. Donc nous avons jugé bon leur prêter main forte dans ce sens-là, afin qu'ensemble nous luttions contre le Covid-19. Premier geste du genre dans leur centre de santé, les bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction. Oh, merci beaucoup. Au nom de tout le personnel et à mon nom propre, nous remercions l'association Femmes Sociales qui a pensé aux agents du centre de santé Marien Gouabi et à l'hôpital pédiatrique. Il s'agit là d'un appui technique très important qui cadre à nos besoins actuels. Donc nous pouvons dire ceci que merci, parce que depuis que l'épidémie a commencé, on était vraiment dans la recherche de qui pouvait nous doter. Et aujourd'hui, vraiment, l'association Femmes Sociales est venue nous secourir. Vraiment, c'est une bonne chance. C'est nous qui sommes les premiers à être en contact avec les malades. S'il y a lieu de les référer, c'est nous. Donc c'est nous qui sommes plus exposés. Voilà pourquoi nous demandons à cette association que ce ne soit pas le premier geste, qu'il puisse continuer. C'est vrai que la belle femme ne donne que ce qu'il a, ce qu'il nous a donné. Nous disons un grand merci et nous souhaitons bon vent à cette association. Ce geste de l'association Femmes Sociales balise ainsi le chemin à une série d'activités de cette dernière en cette période dite de crise sanitaire.